Salut! Heureuse de vous retrouver pour le dernier épisode des À côté du 3ème Prime. Depuis le début de cette semaine, nous vous proposons de voir ce qui s'est passé dans les coulisses de l'opposition Yamoussoukro-Crècheville. Comme c'était le cas lors des précédents Prime, tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale. Je suis allé dans l'eau. Aujourd'hui, le caméraman sera filmé. Allez, on met la caméra et puis on... Nous avons fait un tour chez les Pom Pom Girls pour prendre leurs nouvelles. Mais... Comment ça s'est passé de l'autre côté? Oui, c'était trop chaud, nous sommes fatigués. C'est vraiment chaud, franchement. On adore. C'est génial, mais bon, nous sommes un peu épuisés, on peut dire. Nous sommes un peu fatigués. Mais bon, c'est bon. L'initiative de l'interview? Ah, vraiment, c'est une bonne initiative. En tout cas, c'est trop bien, quoi. C'est trop cool, c'est amusant. Ils sont fatigués, laisse l'interview là. Elles sont fatiguées, elles viennent de danser, elles ont déjà fou. Alléluia. C'est le coré chiqué. Sur le terrain, les équipes étaient à fond dans les épreuves. Personne n'avait l'intention de lâcher prise. Au finish, c'est Yamoussoukro qui est sorti vainqueur de cette partie. Au terme de toutes ces épreuves, les jeunes venus de la capitale politique ont obtenu la victoire. Ils pouvaient donc chanter et danser. Les épreuves viennent de s'achever. Quelles sont tes impressions? Je me sens bien. Je me sens bien. Ça n'a pas été facile. On est un peu bousculé. Là, on cherche à aller faire d'autres points. En 2014, restez connectés au meilleur. Bonne année! MTN, everywhere you go. Il y en a un qui dit arrêt, il n'a pas été au bout, mais il est remonté une autre fois. De l'autre côté, l'équipe de Crècheville a cherché des explications à sa contre-performance. On est dessus, mais c'est pas grave. Vraiment, je t'avais dit ça depuis le départ. Voilà ce qui est arrivé. C'est la technique, c'est pas la force. Technique, son nom. Petite technique. Un mot après ce qui s'est passé? Je leur souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance et puis on n'est pas déçus. On a fait de notre mieux parce que c'est notre première fois. Bye bye. Le plus important, c'est qu'on a pu participer. Malgré la défaite, l'équipe de Crècheville est restée digne et fair play. Toi, qu'est-ce que tu as eu au bras? Au fait, je me suis fait mal au bras. Je pense que c'est déplacé, mais les médecins à l'infirmier, ils ont mis quelques pommades. Maintenant, ça va. Donc, ça va? Juste un peu, mais la défaite a tout aggravé. Voilà. On a tellement déçu parce qu'on avait l'opportunité de gagner ce dernier tour-là. Mais bon. On a été pénalisé deux fois parce que deux gars de notre camp sont arrivés jusqu'au sommet, mais on les a disqualifiés. Voilà notre malheur. Pendant que les Crècheviliois reprenaient des forces avec quelques sandwichs, Yamoussoukro jubilait encore.
Mais n'oubliez pas, rendez-vous demain pour la synthèse de la semaine avec le récap.